Yo, salut à tous, on se retrouve sur R6, c'est le retour du fils prodige. Pas du tout en plus. Pas du tout. Donc, en plus on a un rang de merde, on est bronze 1. Donc, on va falloir au moins atteindre le silver, hein, ça pourrait être cool. Ouais, canal, moi ça me va. Ça me va, ça me va. Bon, ça va, je me souviens à peu près des trucs ban et tout, je me souviens à peu près. Du coup, ouais, j'ai acheté, parce que la dernière fois qu'on a joué à R6, il y avait le nouveau perso, la Fenrir, qui venait de sortir. Mais on ne pouvait pas l'acheter avant une quinzaine de jours, je crois. Et quand j'ai arrêté R6, il restait 11 jours avant qu'il puisse s'acheter avec de la renommée. Donc là, vu qu'il s'est passé un petit peu de temps, un bon... Ah. Bon, ben, on y jouera pas, du coup. Pas sur cette game. Ouais, du coup, ouais, vu qu'il s'est passé au moins un mois et quelques entre-temps, du coup, j'ai pu l'acheter, maintenant on pourra le jouer. Mais bon, pas sur cette game apparemment. Mais de mémoire, ouais, c'était assez fort et casse-couille. Parce qu'en fait, le truc, c'est que son piège là, en gros, qui te mettait une espèce de flash à la Omen dans Valorant, et ben de mémoire, il ne se désactive que si on lui tire dessus, en fait. Et donc ça veut dire que si tu ne sais pas s'il est bien caché, que le mec il sait pas où il est en fait et qu'il est dans une bonne zone, bah en fait c'est quasiment impossible à trouver quoi. Donc enfin et tes flash quasiment non-stop. J'ai pris un Capcom, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Ok.
Bon, bah, je comprends pourquoi j'avais arrêté de jouer, hein. Ah ouais, putain. Je sais même pas d'où elle est venue, la greuve, parce qu'elle est venue de là, mais apparemment il y avait personne ici, ils étaient tous là, je comprends pas. Je comprends pas, bon, ils sont venus, mais bon. C'est pas grave. Ça a pris Azami. J'avoue que je sais pas quoi prendre. J'avoue que... Attends, un petit mute. Petit mute, ça peut être pas mal. D'accord, ça m'a enlevé mon truc alors que j'ai rien demandé. J'appuie sur aucune touche. Hein. Bon, les jeux de merde qu'au départ Ubisoft, là, ça va 2 minutes. Oh là là! C'est le pire jeu. C'est le pire jeu. C'est le pire jeu. Et je commençais. Tu sais, je partais en plus d'une bonne intention. Tu sais, je commence par un truc en mode. Ouais, les gars, c'est le retour du fils prodige. Hein. C'est le retour du prince. Mais ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes, hein, fils prodige. Hein. Putain. En fait, je comprends pourquoi j'y jouais plus. En fait, je referai plus. Hein. Ça va être ma dernière. Hein. Que ça se passe bien ou pas, ça va être ma dernière. Hein. Je referai plus de ce jeu. Même, tu vois, même on avait vu, de toute façon, c'est Ubisoft. Moi, il y a qu'un seul jeu Ubisoft que je trouve vraiment bien. C'est un jeu solo, c'est Splinter Cell. C'est vraiment le seul jeu qui vaut le coup. Et peut-être, ouais, les Assassin's Creed aussi. Pas tous, mais les Assassin's Creed, en vrai, ça vaut le coup aussi. Mais sinon, Ubisoft, pour ce qui est des FPS ou même des FPS compétitifs... Il y avait eu ce truc là avec comment ça s'appelait là, X Défiant, il y avait une ultra hype et tout, tous les suceurs de youtubeurs là qui étaient là, les suceurs de vues là et de buzz là, les salopes là qui étaient là en mode ouais, ce jeu qui va remplacer Modern Warfare 2, ce jeu qui va tout niquer. Alors non, alors clairement non en fait. Et puis il suffit pas d'être un génie pour le remarquer, hein. Mais non. Non. Moi, X Défiant, je mets ça au même niveau que The Finals, tu vois.
C'est des jeux cool, mais c'est des jeux qui vont remplacer rien du tout, frère. Ils ne vont rien remplacer, hein. C'est des jeux qui vont enterrer aucun autre jeu, hein. Mais comme Rainbow Six n'a jamais enterré aucun autre jeu, hein, d'ailleurs. Hein. Rainbow Six n'a jamais enterré CS, Rainbow Six n'a jamais enterré quoi que ce soit, hein, je veux dire. Hein. Renforcer le dessus quand même, je pense. On peut renforcer ou faut que j'aille me faire enculer là? Comment je renforce? Je peux pas renforcer. Là je peux renforcer. Là je peux pas renforcer. Comment? Pourquoi je peux pas renforcer les... On peut plus renforcer les trappes? Par contre, ça sera ma dernière sur R6. Par contre, tu vois, ça c'est un truc que je peux vous dire, c'est que on va se refaire du Splinter Cell. Dommage. Mais ouais, je pense qu'on va se refaire, ouais, du Splinter Cell Blacklist. Donc bon, j'ai encore du Dying Light, j'ai encore du Dying Light 2 à faire. Bon, il y a Hitman aussi, hein, mais bon, de toute façon, Hitman, on va y jouer en... Comment dire, on y jouera tout le temps en fait sur ma chaîne, donc... Tu vois, si Hitman, c'est qu'une vidéo par semaine sur Hitman, c'est pas trop grave, tu vois. Parce que c'est un jeu qui est quasiment interminable, en fait, Hitman. Et c'est un jeu où j'y rejouerai obligatoirement, en fait. Mais c'est comme Splinter Cell, tu vois. Splinter Cell, c'est un jeu qui est juste incroyable, tu vois. Mais tu vois, c'est que je pense, pareil, il y a Red Dead Redemption 2, du coup, que j'ai envie de faire. Il y a Diablo 4. Que j'ai envie de faire. Il va y avoir Red Dead Redemption 1 Remake que je vais avoir envie de faire. Il y a peut-être Baldur's Gate aussi. C'est le 3, je crois, qui sort. Alors, moi, je connais pas Baldur's Gate. Hein. Juste vu que. J'ai juste vu que. Y a, apparemment, il y avait plein de gens qui disaient que c'était. Ça allait être le jeu de cette année ou de 2024. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Mais on verra, hein, ça aussi. Mais bon, ça c'est pas en, je veux dire, c'est pas un projet sûr. Sûr, bah, on va se faire, voilà, on va se faire du Splinter Cell. Sûr, on va se faire du Diablo 4. Sûr, on va se faire du Red Dead Redemption et du Red Dead Redemption 2 et du remake. Sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Hein. Attendez-vous. Mais pareil, Red Dead Redemption 2, tu vois. Là, je l'avais mis de côté et tout. En fait, tu vois, c'est un jeu. Alors, là, vu que j'ai terminé le jeu, vu que l'histoire du jeu, j'ai déjà terminé, tu vois, c'est le jeu où tu retournes pas non plus. Enfin, je veux dire.
Moi j'y jouerais pas tous les jours, tu vois, Red Dead Redemption 2 vu que j'ai terminé l'histoire. Là où par contre, quand je jouais l'histoire dessus, j'y jouais quasiment tous les jours. Par contre, à jouer de temps en temps, tu vois, aller te faire des petits repères de cow-boys, de bandits, à aller éclater des gens sur la map, à faire le hors-la-loi là. Ça, c'est un truc à la rigueur, tu vois. Mais ouais, Rainbow, ouais, ça sera ma dernière. Hein. Ça sera ma dernière, j'y rejouerai plus, c'est pas terrible. Hein. Je veux dire, tu vois, les sensations sont pas là. En fait, c'est plus mon truc, Rainbow. En fait, ça l'a été, ça l'est plus. Comme ça, hein. Il y a des choses. Il y a des cycles. Hein. Même si, bon, normalement, un vrai jeu, ça ne t'abandonne pas, tu vois. Genre, bah, par exemple, tu vois, CS, ça m'abandonnera jamais, tu vois, j'y retournerai toujours, tu vois. Bah, et comme Hitman, hein. Hitman, j'y retournerai toujours. Splinter Cell, j'y retournerai toujours. Age of Empire aussi, j'y retournerai toujours. J'adore Age of Empire. Starcraft aussi, mais bon. C'est beaucoup moins joué. T'attaques nous les deux devant. Mais ouais, bon, là vous voyez, hein, clairement, enfin, je suis sur Clash of Clans, hein, donc j'en ai, là où sur CS ou Valo, je vais faire du Clash of Clans quand je suis mort, mais même des fois, enfin, je veux dire, je check juste ma base, là, je suis vraiment en train de faire tout et n'importe quoi, j'en ai rien à foutre de la game, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Je sais que c'est ma dernière, donc. Ah bon, apparemment on l'a perdu. Alors. Oh. Overwatch 2, donc Overwatch 1, hein, arrive sur Steam le 10 août 2023. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, gros, ce jeu c'est de la grosse merde. Ils ont juste fait un énorme coup de com, Activision Blizzard là. Pour sortir cette merde en Overwatch 2 alors que c'est juste Overwatch 1 en fait. C'est le truc qui était censé faire que c'était Overwatch 2 qui était l'histoire en fait, le PVE, bah, ça a été annulé donc au final ça servait hein, de nous sortir un Overwatch 2. Non mais c'était juste un... Je suis quasiment sûr que les mecs ils pensaient même pas à se faire un PVE ou un mode histoire. Hein. C'était juste un coup de com. C'est la Russie, ça, non? On est en Russie ici? Ou en Allemagne, peut-être? Non, je sais pas. C'est la Russie, ça. Non, parce que je me dis. Oh putain. Clash de merde. Je me dis. Parce que même la Russie, comment dire, le drapeau, il est pas comme ça, hein. Je sais pas où il est. Bon, je me fais pas chier du tout, hein, sur le jeu. Vraiment. Je vais me faire spawn kill d'ailleurs, parce que c'est plutôt habituel dans le jeu. C'est bien fait, la porte est disparue. Oh merde, 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 merde.
Mais faut cover là aussi là. Bande de salopes là, c'est infernal. Les mecs ils savent pas jouer. Ils jouent à leur jeu de merde tous les jours de leur putain de vie, ces gros cons là, ils savent pas jouer frère. Oh là là là. Bon là, ça peut se terminer, j'ai plus envie de jouer à ce jeu là. Allez, 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 bougez-vous là. Oh là 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 là, le jeu boring frère, le jeu il est chiant à mourir, hein. Oh là, il n'y a pas pire jeu hein. Oh. Wow, putain, mais c'est épique comme jeu hein. Wow, putain le truc de fou. Ah ouais. Quand je pense à l'autre là, il y a un youtubeur là, j'ai vu comment il s'appelle, je crois que c'est 6-4, je crois il s'appelle, un truc comme ça. Avec son corps de phasme là, la grande salope, mon gars, lui c'est une grande gigue. C'est vrai, lui c'est vraiment une pute, hein. Mais une pute, mais une grosse pute. Hein. Avec un corps de phasme là, un nerd total. Putain, j'étais tombé sur des shorts à lui. Oh là là, comment il fait pitié le type, comment il fait pitié. C'est un pauvre type. Un mec de 60 kilos là. Il y a un mec, il a 35 ans en plus. Hein. Une pauvre merde. Une pauvre merde qui joue un jeu de merde. Voilà. Oh là 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 là. Putain, je te jure. Oh là là, je vois que ça s'arrête, j'en peux plus. En plus, ouais, bon, si là. Là, si on met le point, je crois qu'on gagne. Et puis, par contre, sinon, ça va être le premier à 5, je crois. C'est un truc comme ça. Ça va pas jusqu'à 6, je crois pas. Ils sont en bas là, ils sont en kayak. Dommage. Oh. Oh, c'est vraiment un jeu de merde. Ah, ça partait avec de bonnes intentions, moi, en plus, important. Hein. Ça partait avec de bonnes intentions, attention. Relativisons. Hein. Jamais dit que. Je veux dire, j'ai un peu overreact en disant que c'est le retour du fils prodige, déjà là-dessus, bon, certes. Mais ouais, j'ai jamais dit non plus que, voilà, que ça allait. Enfin, je veux dire, que ça allait redevenir mon main jeu, hein. Clairement pas. Clairement pas. Mais bon, je lui ai redonné sa chance, j'aurais pas dû. Oh. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Dispositif en position. Ennemi localisé. Ah, j'ai oublié d'ailleurs. Parce que je disais, ouais, tout à l'heure dans les jeux Ubisoft, il y a que Splinter Cell et Assassin's Creed qui sont bons. Mais j'ai oublié Far Cry en fait. Far Cry c'est bon aussi, hein. Oh, le 5, j'ai adoré d'ailleurs, on y rejouera, mais le 5, j'ai adoré. Il nous restait des petites quêtes à faire, et puis bon, il y a toujours les avant-postes à reprendre et tout machin, donc on se retentera ça. Hein. Attendez-moi, faut que je lâche une caisse parce que j'ai mangé trop de pommes. Attention, attention! Ouf! Oh, alors là, je peux vous dire que. J'ai fait trembler la terre jusqu'à. Jusqu'au Japon. S'il y a eu un raz-de-marée au Japon, c'est de ma faute, les mecs. Hein. Putain, j'espère qu'il n'y avait pas un vol de grande ligne au-dessus de là où j'habite, parce que ça a dû faire des perturbations. Putain.
Ah, puis dans l'air, il y a des perturbations aussi, hein. Putain, sa mère. Hein. Quasiment irrespirable. Oh. Oh ouais, putain, si j'y donne pas du mien, de toute façon, on va pas pouvoir la gagner vite. Mais de toute manière, là, c'est baisé. Hein. Là, de toute façon, c'est... On va pas pouvoir... On va pas pouvoir la gagner tout de suite, là. Ça va être le premier à 5, du coup. Donc, bah allez, hein. Allons-y. Allons-y, super, on s'amuse. C'est de la grande game. Je vais me reprendre un Capcom, mais ouais, je crois avoir une petite idée d'où je vais me mettre. Je pense avoir une petite idée. Peut-être pas la meilleure idée, mais c'est une idée. C'est une idée comme une autre. Déjà, moi, je vais me cacher. Cacher par ici. C'est l'Allemagne, en fait. Ouais, c'est l'Allemagne. En Allemagne. Un vieux JPEG dégueulasse qui a été collé sur ce mur-là sans aucun effort. Grand jeu, hein. Du grand grand jeu. Ah, excusez-moi hein, pour ceux à qui j'aurais fait un faux espoir en se disant ah oh, il va refaire du Rainbow Six. Non, désolé, désolé. J'ai retenté, hein, mais.
Le plaisir n'est pas là. En fait, c'est plus la même chose qu'avant. C'est plus les mêmes sensations. De mémoire, bravo, c'était pas trop mal. Hein. Bon, attends, parce que moi j'ai foutu une petite potion là des ouvriers. Pam 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 pam. J'en rachète une autre, ouais, une potion des. Enfin, ça m'a fait gagner 9 heures. Hein, quoi. Ouais, 9 heures, mais bon, quand on a pour 3-4 jours à chaque fois, hein. 9 heures, c'est pas grand chose, quoi. Après, heureusement, je l'ai pas acheté, c'est avec les sous de la. Avec les trucs de la ligue, là, enfin, les points de la ligue que j'ai pu acheter ça, là, de la guerre de clan que j'ai pu acheter ça, mais. Je peux en racheter d'autres, mais bon, c'est pas non plus. Hein. Pas dingo quoi. Ah. Je suis trop fast les gars. Vous pouvez pas me tester. Je rappelle que je suis en bronze. Hein. Voilà. Non, si jamais on se posait la question, vu le niveau des mecs en face, si jamais on se dit ah, putain, mais attends, les mecs, c'est quoi? C'est des platines, des diamants? Non, je suis en bronze. Hein. Putain, les mecs, ils sont tellement connectés au jeu, ils connaissent tellement tout. Les mecs ils piquent et tout machin, on est vraiment dans les joueurs les plus bas du jeu là. Ouais, bah ouais, faut croire, ouais. Ah, parce que y'a rien qui va sur le jeu, y'a rien qui va sur le jeu. Le matchmaking est toujours dégueulasse, c'est une merde infâme ce jeu. Bon, excusez-moi, on va vous mettre. Parce que moi là je regarde même plus le jeu, on va quand même vous mettre sur des POV. Que vous puissiez profiter quand même, mais bon, Mary on a cross, your beauty never ever scared me. Mariana, Mariana Cross. If you choose to run away with me, I would take you tenderly. Oh la 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 la, putain. And I see nothing wrong with that. GG les gogols, vous jouez à votre jeu de merde tous les jours et vous n'êtes pas capable de jouer correctement. Allez. Bon, si ça pouvait se terminer, par contre, ça pourrait être cool parce que moi j'ai envie d'aller jouer à autre chose là. Moi que ce soit vraiment de me pioter, j'en sais rien. J'en sais rien.
Je suis au bout, hein. J'ai pas envie de jouer. Je vais prendre un bandit, hein, du coup. Mais du coup, ça se renforce par en dessous, les trappes, maintenant, hein, ou ça se renforce comment, là, parce que... Celle-là je peux, l'autre je peux pas. Il est pas fun. Allez, ciao à tous, on se reverra pas sur Rainbow. Allez, passez une bonne journée, ciao.